Et salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur GTA V sur PS4. Et là je dois récupérer du matos militaire pour faire un casse, mais je pense pas qu'en hélico ce soit vraiment très très pratique. Le matériel ne doit pas être détruit. Ouais. Donc c'est quoi, c'est le camion qu'il faut choper? Donc, je me garde devant, un peu en vrac. Hop. Bon, ce cas, c'est que j'ai pas de gilet de pare-balles, donc s'il s'énerve, je risque d'être dans la merde. Hop, 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 ni vu ni connu. Pardon, monsieur. Il est tout seul, parfait. Alors, par contre, il était escorté, alors j'ai intérêt à tracer. Oh, cassez-vous! Au secours! On veut me buter. Oula, je vois que dalle hein, en vue FPS. Oh. Pète le pare-brise là, on voit rien. Bon, c'est pas grave. On va essayer de s'en sortir. En tout cas, j'ai toujours des points rouges derrière. Attendez, là, je vois que dalle. Comment on fait pour regarder derrière? Comme ça, ok. Bon, ils ont pas l'air de me suivre en bagnole. Donc, on est peut-être tranquille. Hop, on va essayer de ramener ça avec cette vue complètement dégueulasse. Nous, on est à 1 km. Alors, par contre, faut peut-être que je les sème avant. Non, ils me suivent, hein. Oh, ils me suivent. Putain. Et ils me rattrapent surtout. Oh, bordel. Attendez. Hop, on va régler ça. Fusil à pompe. J'ai dit fusil à pompe. Énerve-toi. Hop, il en reste encore un. Il est où? Il est où? Merde. C'est bon? Allez. On est reparti. Apparemment, il n'y a plus personne qui nous colle. Ah, et d'accord. Le pare-brise a fini par péter. On voit un petit peu mieux. Bon. Bah voilà, on est tranquille. On a juste buté des militaires. Hein. Ça alerte pas les flics. Tout va bien. Allez, on est quasiment sur place. Après, au niveau préparatif, je sais plus ce qu'il reste à faire. Pas grand-chose, hein, je crois. Je m'en rappelle plus. Bon, déjà, on s'occupe de ça. Ih, ça tourne plus. D'accord. Je suis dans le mur en même temps. C'est un peu normal. Hop. Ok, on sauvegarde. Donc ça, c'est fait. Alors du coup, on peut enchaîner direct ou... Lester the molester, bro. We got ourselves some military hardware. Parked out back in my office. All right, we might be ready to move on this thing. Meet me up in the lab. Ok. Ah bah on est sur place, d'accord. Il n'y avait pas besoin de piquer la bagnole. L'entrée où? C'est lui là-haut, là? Qui c'est? Il y a quelqu'un qui nous mate. Non mais, je voulais juste voir qui c'était. C'était pas Lester, hein. Ouais. Attendez, mais non, l'entrée c'est par là. Voilà, c'est bon, je m'en rappelle. Mais attendez, il y a quelqu'un qui squatte chez nous? C'est quoi ce délire? Bizarre. Hein. Bon, bref. It's not inappropriate. It's another one of your fucking disasters. That's what it is. First you take a hostage against my advice, and then you start some kind of crazy high school romance with her? Are you nuts? She's a 60-year-old housewife! Ow, she's 57! And she thinks that I'm mature. Yeah, well, let me tell you something. 30 years of marriage to the world's angriest mob boss would make anyone insane. You're not making my situation any easier. Oh, there's a surprise. I knew it would become about you. I miss my family. Oh, you're full of shit! All you ever did was ignore them, and now that they're gone, you miss them. Fucking incredible.
I'll tell you what's incredible, fucking incredible. Hey! You mother... Hey! Why? Enough! You got me out here. You wrote me into your crazy world of bullshit. If it was lies, new age shit, and arguments about how good life used to be, I could have stayed my ass in Los Santos. Hello, Franklin. What's up? All right. Here's the shot. We're going to Paleto Bay, and we're gonna do this thing. Any questions? Comments? Yeah. I miss Brad. That crazy motherfucker was with us now. He would have loved this. Instead, he's got to enjoy himself molesting white-collar criminals in a federal penitentiary. Thanks for sharing. Anybody else? What about me? You'll be waiting for them by the river, handling the getaway. All right. Now, these three go in. They grab the tape. They rendezvous with you, and you get out of there. Is that a work for everyone? Great. Let's go. Let's get this done. Paleto Bay. Ok, c'est parti. Tac, 5 km. Ouh là là. On a de la route. You ever hit a bank before, Franklin? Yeah, I was the driver on the job my boy Lamar pulled. Guess it's the same kind of shit we're doing now, right? Nice, bro. What was the take? Shit, I don't know, man. I can't remember. Come on! Everyone remembers their first score. Shit, not me. Mikey, bro, what was your first bank score? 88, outskirts of Carcer City. Took a small franchise for 10G. Yeah, things were easier back then. Yeah, 25 years ago, Jesus! Jeff, will you tell these gentlemen about your first job? T, man, you could just as easily. You tell them! I'll do a sanity check. Trevor, the ultimate judge of sanity. Well, it was, part of the interview process, I guess is how you'd call it. Trevor knew I could cook, wanted to see if I could handle myself. This cash for gold guy comes through town, stood the reason he had funds. Next thing we're burying him and his bodyguard in the junkyard. Well, most of them anyhow. 50K. He did fine. He's better at all aspects of the job now, from killing to dismemberment. And your turn to share, kid. I told you I don't remember the details, man. Leave him alone, Trevor. This is an important moment, Michael. Here we are, on our way to almost certain death, bonding, pouring our hearts out, and this guy is sitting here, soaking it up and giving nothing in return. Hey, if he don't remember... If he don't remember, I'm supposed to trust this man with my life, and he don't trust me with the details of his first bank job. Well, how about you? Why don't you share with the group? I'm here, I'll back the facts. The checks cash place? I went in, took him for $8,000, walked out. Yeah, it was a bit more complicated than that though, wasn't it, T? Maybe I knew the guy. Maybe he ID'd me. Maybe you did 6 months. Maybe I was out in four, and that, children, is why we don't leave witnesses. That? Hey, give your passengers some warning, eh? That, children, is why you don't rob people that you know! Yeah. Franklin, share? Yeah, come on, kid. It can't be worse than Trevor's. Alright, man, shit. Okay, the score was like 2 stacks, man. 2G? Take home on your first gig? Look, that ain't bad, man. Man, the whole score was 2 stacks. Only I didn't see none of that shit. Dye pack went off, homie. Money was useless then. Dye pack? You amateur! I knew I shouldn't have told you shit. Hey, Franklin, we all gotta start somewhere. Last time I tell your ass something. Ow, come on. Don't be so cold, man. Learn to laugh at yourself. You're in danger of turning into this man. Who, me? Yeah, you. Wouldn't laugh, wouldn't hang out. I've got my work, I've got my life. And never the two shall meet. If we're risking our asses, we gotta be family. How about that, die back? All right, Frank, we're gonna drop you up here, okay? When you hear it kick off, get ready, because we're gonna wanna go ASAP. I'm on getaway, man. I'll do it. Ok. Alors, on va le laisser par ici.
Hop. All right, you know where you gotta be? I got it down. I'll bring a die pack just for you. Il fait le relou, ça y est. Bon. Alors, on se gare à l'entrée de la camionnette. Ouh, à l'entrée de la banque. Excusez-moi. I could use a restroom break and risk getting ID'd. You're an idiot. I gotta go. It's number two. Yeah, well, pinch it off. I'll go in the bank. I got a baggie. Oh, mais... All right, we all good? Let's hit 'em. Ok. Mais attendez, on n'était pas... Dans mes souvenirs, on est mieux armé que ça. Hein. Ou alors je confonds avec autre chose. Bon, bref. On avance. Allez, c'est parti. Et je fais quoi, moi, concrètement? Je reste là ou je suis où? J'en sais rien, moi. Keep an eye on our trusted employee. Okay, you got the crowd. Have to be here soon. Attendez, je suis sur qui là? Je sais même pas. Là, je suis sur Trevor. Non. Voilà. Allez au coffre. Ever meet this alarm guy? Fucking shoot him. Not if I get to him first. Yeah. Stay back! We got hostages! Tell the sheriff the 211 is confirmed. We're gonna need everything we got down here. Ok, 5 étoiles, tout va bien. Le coffre, le coffre, le coffre, le coffre. On avance. Putain, je vois que dalle avec cette vue. I don't care if they surrender. I'm killing me some bad guys. Now let the hostages go, and we'll talk like gentlemen. Time to face the music. Ah, c'est bien ça. Ils sont équipés. Don't be found like that guy. Éliminer les flics, ok. Donc là, on fait pas dans la dentelle. On tire partout. Alors je sais pas si on a quand même une jauge de vie avec des dégâts limités quand même. Hop, moi je fais péter toutes les bagnoles. Mais te mets pas devant moi! Putain, il est con. Hop. On peut pas repasser en FPS là? Si. L'hélico, il est où? Il est là. Hop. C'est bon? Oula, on se casse. Mais de quel côté? Je sais même plus par où on est arrivé, moi. Il est de quel côté, Franklin? Je ne me rappelle pas. Attendez, ils sont là-bas. Hop, hop, on va se rapprocher d'eux. Sur quoi ils tirent, là? Je vois personne. Ah, les gens, on les laisse tranquilles. Oh putain, il y en a encore. Tirez sur la clôture. Hop. Mais vous mettez pas devant moi quand je tire, les potes, ils sont nazes. Hop, continue à défoncer les barrières. Hop, voilà. Allez, cours. Cours, cours, cours. Oh, il y a carrément des fourgons qui arrivent maintenant. Oh là là. Hop, est-ce qu'on peut le faire péter? Oui. Hop. Putain, il y a du peuple. J'ai remarqué qu'ils sont là, les renforts. Hop. Putain, des fois, les voitures pètent pas tout de suite. Hop. Allez, allez, on avance. Tac, 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 tac. Alors apparemment, il y a pas mal de peuple encore. Oui.
Oh là là, ils sont sérieux. Et ils pètent jamais leur truc là? Ah bah si quand même. It's too heavy. You want to play dead? We won't be playing. Hey, hey, through here. Right along. Fine. I know you're being paid to be here. Ok, on continue d'avancer. Ah mais j'ai des munitions limitées. Hey, il m'en reste que 4000. Ah, j'avais pas vu ça. Peut-être que j'arrête d'essayer de faire péter les voitures alors. Enfin, j'ai pas remarqué si on en récupère au fur et à mesure. J'aime bien faire péter les bagnoles. C'est assez efficace. Mais bon. Ça me bouffe peut-être trop de munitions. Hop. Putain, on les voit pas trop là, ils sont bien planqués quand même. Apparemment ils sont alignés là. Il y en a 4. Ah, j'en vois un qui bouge. Ah, oh, ils se planquent, ils sont chiants. Allez, et de 1. T, man, they're fighting the tank. We gotta move it, like right now. If we all get behind us. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Franklin? Attendez, je quitte cette vue là pour voir ce que je fais à peu près. Alors, quoique c'est pas très compliqué, il y a juste à lever ou baisser. Tac. Faut que je les... Non, oula, ouais, j'aurais peut-être dû les défoncer. Vas-y. Ça pousse bien les bagnoles ou pas? Ouais, vite fait quoi. Yeah. C'est pas le moment de se retourner. Allez. On se contente de passer. Alors ça va, ils me font pas de dégâts directement. Parce que normalement quand on se fait tirer dessus au volant, hein, on se fait descendre assez vite. Hein. Ah, mais chut. Cassez-vous là. Allez. Ouais, c'est pas très rapide en même temps. On est encore à 160 mètres. Allez, encore des renforts. Oh, allez, on passe. Hop. J'arrive. J'arrive. Hop, ok. On voit un peu mieux comme ça. Ouais, non mais un tank là, il me dégomme là, non? Pauvre tractopelle là. Allez. Oh, oh putain. Un deuxième tank. Allez, encore un autre en face. C'est la fête. Attendez, on fait quoi là? Merde, j'ai trop tourné. Ah, oh, ça tourne mal cette crotte là. Allez, allez, dépêche-toi. Il est où le troisième qui était armé là? Allez, allez, dépêche-toi, il y a des poules. Il y a des poupoules. Les gens là, ils sont pas agressifs là, non, c'est bon. Attendez, je suis avec quoi là? Ah, j'ai perdu le... D'accord. Fusil à pompe, j'aime bien. C'est assez efficace. Oh putain, je t'avais pas vu toi. Ah mais t'es pas mort toi? Ok. Ils sont planqués où? On est où là? Hop, ça c'est fait. Hop. Nickel. Ouais, je suis peut-être un peu trop exposé là, faut que je fasse gaffe. Hein. Hop là, allez, on continue. Oh,
On est chez KFC là, il y a du poulet partout. Hop, bon allez. Hop. Hop. Ah, il y en a juste devant qui se planquait. Alors attendez, on recharge un petit coup. Allez, c'est reparti. Toi, t'es pas mort, toi? Putain, mais le nombre de mecs qui tuent, quoi, pour du fric. Ah. Allez, encore un. Ne vous mettez pas devant moi quand je tire. Ils sont bêtes, hein. Allez, monte. Ok, on y est. Oh là là. Bon, le fusil à pompe est super efficace quand même. Même à distance. Franklin, mais... Il reste à couvert là. Let's go. Yo. Easy, easy. I'm a friendly. Agent Sanchez. Our very own corrupt G-man in training. You gotta be careful, buddy, all right? Because they are looking around these trains for illegals. And if you're mistaken, you'll be shot, amigo. Very amusing. Yeah, if you expecting them two to bring you up, you're gonna be disappointed, homie. Right back at you. Got the money? Everything we got. Okay, here's your cut. Considering present scrutiny on public worker remuneration, this is a big win. Oh yeah, that's a huge fucking win. Woo! Monstrous. I'm out. Agent Haynes will get in touch with you once Operation Save the World's ago. Get your crew together, okay? Fucking punk. All right. We should probably split up. They're gonna be looking for a three. Oh, the blood we spill for the security of this country. Come on, Franklin. Man, I'll holler at you, home. All right. Fuck. See you, serious. Ok, alors sur 8 millions, on a eu combien? Ouh, du quad. On va faire un peu de quad. Tac, mais alors du coup, qu'est-ce que je fais? Ah, on a quand même eu pas mal de fric, là. Bah, attendez, c'est déjà pas mal. Hein. On est dessus, ouais. Nickel. Alors je fais quoi là? Il y a un T juste en face. C'est Trevor. Bah écoutez, on va peut-être enchaîner avec ça alors. On est sur place, hein, on en profite. Hop, du coup la balade en quad aura été assez courte. Hop. Ah oui, mais là c'est chez lui là. Ok. Tac. Sa magnifique demeure, très bien entretenue. Non mais regardez ça. Oh là là. Il est dégueulasse. The thing. Hell, it was just down the freeway. Trevor about? He's probably out somewhere drinking human blood or eating household pets. He's not that bad. Really? Well, okay, he is pretty bad. But he's got a sensitive side. Oh, yes, he's very sensitive. When he gets his feelings hurt, he's devastated. So what's your story? I ain't got a story. I'm an independent thinker. Living out here, away from the man. From what I can tell, you're like a high school athlete. Living off old glories. You used to be able to manage heat, and now you're worried if your loafers are getting scuffed. Any more bullshit comes out of your mouth, you're gonna learn all about my past glories firsthand. You understand? Absolutely, sir. That came out wrong, all wrong. Tell Trevor the monthly train is coming through. What monthly train? The monthly train. Where have you two been? Getting some fresh air. Talking of beautiful things. Yes, I hear Stockholm Syndrome is very nice this time of year. Hey, watch your mouth, boy, all right?
It's always been a dream of ours. The train of dreams. The hell are you talking about? I'm talking about gold. Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough so that we can pay off that Mexican and get you back in town, baby! Yeah! This better be fucking good! Jesus. Fuck. Ah, man, we've talked about this hygiene thing before, bro. I invite you into my home, this is how you repay me? It's like living with a fucking horny skunk. D'accord. Ouais. Hop, sauter sur le train, carrément, ok. Hop, il a pas mis son casque. Très beau, c'est pas bien. Oula, elle est nickel cette moto là. That's about the size of it! Make it a fast boat! Ah, the logistical mind of Trevor Phillips. So, it's like gold bricks on board, right? Sometimes. This is a high-value courier service run by... Meriwether. Oh, Meriwether? Tranquilo, Mike! This ain't a weapons train. It's goods too valuable to insure for air travel train. Gold? Sometimes gold, sometimes our work, priceless antiquities. Sometimes enough for you, me, Ron, everyone. Fine. And here she is, the magical train. Alors le voici notre train. Alors faut qu'on trouve le tremplin. C'est où exactement là? We'll need some bombs. Okay. I'll pick them up when I'm back at the trailer. Back at the trailer. Where are you? Chemin surélevé. Ouais, mais c'est de l'autre côté alors. Merde. Merde, merde, merde. Attendez. Ouh, on va repasser de l'autre côté. Hop, j'espère que c'est pas foiré. Allez, allez, allez. Hop, 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 hop. Oh putain. Non ! Je suis passé à côté. Faites pas chier. Non ! Mon dieu. Bon, j'ai mal pris le truc aussi. Hein. Ih, ça monte pas. Ih, il veut pas monter. Oh putain. Oh, je crois que c'est foiré là. Et merde, Crudy. J'espère qu'il y a un autre tremplin, sinon... Oui. Alors attention. Allez, mais j'y arrive pas là. Oh là là. Et allez, 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 allez. Trop tard, bah oui, tu m'étonnes. Ah, y a qu'une fois où j'aurais pu le faire et je suis parti trop sur le côté. On va essayer de mieux s'en sortir. Donc on va rester plus sur la droite dès le début, comme ça on aura plus de tentatives. Et on va essayer de pas se foirer dès la première, ce serait pas mal. Mais bien sûr, Trevor. Oh putain. Non, ça passe. Nickel. Nya. D'accord. Nya. Nya. Oh, crotte, je suis tombé. Mince, 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 je pensais qu'une fois dessus c'était bon. Non, je suis trop parti sur le côté. Bon, du coup je me suis foiré, ça m'a remis ici. Donc ça c'est cool, j'ai pas besoin de tout me retaper. On va essayer de pas tomber cette fois. Hop, ça a l'air de bien se présenter. Hein. Hop, hop, hop. D'accord. Qu'est-ce que je fais là? Got it? Eat it. Be under that fucking bridge. When we go past Polito Station, whole of Meriwether's gonna be on to us. Pourquoi il faut que je gère la vitesse?
Si j'accélère trop, il déraille. J'en sais rien. Et cette vue là, elle est normale, je peux pas changer de vue. M, I ain't far out. You under the bridge? Approaching the inlet now. I'll power through to the bridge. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avec Michael. Allez au pont. Ok, c'est juste en face. Hop. Hop. Ouh, il s'envole le bateau. Ouais, qu'est-ce qu'on y fait sur le pont? Ah, mais c'est pas là? Ah non, c'est encore plus loin, d'accord. I'm living the life, my friend. This is quite a spot you pick. Enjoy it now, because it's about to start raining fire. Alors, c'est celui-là. Ouh, merde. Je regardais ce qu'il y avait décrit. Aucune. Bah, j'ai aucune arme, alors je fais comment? Ah, si, pardon. Bombe collante. Attendez. Hop. Je sais pas s'il l'a acheté correctement. Mais non, mais... Active là ta bombe. Je sais plus comment on fait pour activer la bombe. C'est pas l'eau, hein. Comment on fait pour activer la bombe? Je sais plus. Oh, mais il jette à côté, grosse patate, va. Hop, on la bouge plus. Là, là, si tu rates, il y a un problème. Voilà. Hop, on recule. Yeah, now get your ass in there, Mikey! I'll be as quick as I can be. I gotta run a fucking salvage operation in here. Ok, moi je fais quoi de mon côté là? Ouh, d'accord. Je vois des points rouges qui arrivent. Meriwether recovery team. Allez, allez. Hop. Je suis pas sûr qui je tire, y'a plus personne là, si? Ah si, y'a encore le pilote. Oh, y'a encore quelqu'un. Et oh, j'ai pas d'armure là, faites gaffe. Allez-y, mollo. Attends, bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Les merdes, je tire à côté, ça touche l'hélice. Non, ça va derrière, oh là là. Arrête de bouger. Et merde, j'arrive pas à anticiper leur mouvement. Bon, bah, on va tirer normalement. Allez. Oula. Ok. Sniper. Ok, heureusement qu'il y a les visées automatiques, je les vois même pas quoi. Il y a même, ils nous disent de mettre le sniper, mais il n'y a même pas besoin en fait. Hein. Ils visent tout seul. C'est bon? Qu'est-ce qui arrive? Ah, il y a des mecs parachutés aussi. Alors attendez, hop, on va peut-être sortir le sniper. J'ai l'impression que là, la visée automatique ne fonctionne pas très... Mais non, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Sniper. Et merde, il bouge trop vite. Je l'ai eu celui-là, je crois, non? Je sais pas. Merde. J'ai mal géré, ils sont où? Comment on met la vision? Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Avec droite. Ah, je crois qu'il allait continuer à courir. Mais pas du tout. Hop. On peut y aller, ok. Je le rejoins sur le bateau ou... Ok. Ouh. On roule pas dessus, hein. Bon, même s'il n'y a pas de roue, mais... Allez, monte. Hop.
Oula, le joli bug. Faudra le protéger ou il n'y a pas besoin? En tout cas, je conduis pas. Ah oui, j'ai ma réponse. They got some boats after us. Nature, you're right. Allez. Tu peux le faire. Alors en plus dans des rapides, ça va être très pratique pour viser. Déjà que je vise comme un pied en temps normal. On n'est pas dans le caca. Oh là là, maintenant il y a une voiture sur le côté. Et je suis quasiment mort, allez. Non mais ils me touchent les mecs, je les vois même pas quoi. Je vais crever. Comme un cul. Bon, au moins, hop, j'ai pu récupérer grâce à ma jauge. On peut pas changer d'arme là? D'accord, je suis mort. Ok, merci beaucoup. Je crois que c'est l'hélico qui m'a abattu. C'est génial. Allez. Mais on peut pas viser là, c'est pas possible. Putain, j'arrive à les toucher, mais c'est vraiment limite par chance quoi. Allez, entre moi et eux qui sautent là. Je crois qu'on l'a eu, non? Je sais pas, il avance plus. Bon. Oh, il y a des coureurs. C'est bon? On a arrêté le pilote, oui. On dirait. Ok. Alors après, il y a un hélico qui va se pointer. Il est énervé, l'hélico. Hein. Et moi aussi, je suis énervé. Allez! Dégomme-le! Là, j'ai vu du sang, là, j'ai eu le pilote, non? Parfait. C'est bon? Alors, débarquer sur la plage. À un endroit bien précis, on dirait. Alors, on va contourner. Oh, man! You work hard for your living. Boil it down for me. How much you think you make per senseless killing, huh? Couple nickels? Times are tough. Have been since we put you in the ground. Hey, you had your savings. That I couldn't access because you blew the identities. You know, there was nothing for Brad's defense. Ron organized some transport for us. Hop. Voilà. Comme ça, il y a encore moins de trajet à faire. Allez, chacun sa bagnole. On va prendre la bagnole chelou, non? Because of your independent spirit. Hey, 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 hey! Hey, before you go, show me the loot. It's perfect. Perfect for fucking what? For squaring things with that Mexican psycho. We give him this. And you end your relationship with that little lady. Maybe we won't be dead men in Los Santos. I don't fucking see that Silicon City again. It'll be too soon. But this is my job, not your call to make. Nah, your job, fuck things up with the Mexican to begin with. My job, my score, get your own! Wait, you give me that case, I'll give you something bigger. What? Union Depository. Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Verging suicidal? That a line you're afraid to cross? Come on, T. You remember the dreams? A couple kids pulling jobs. The big one. I know it sounded crazy back then, huh? But hey. You and me together again, with Lester
and Franklin on board, we could do this thing, T. This ain't no dream no more. Aye. You keep the case. Fuck me. Okay, hey! All right. Here. Keep that silly fucking thing. And you can keep Patricia as well, all right? Because I respect that lady and I ain't gonna hold her back. Thank you. Just remember, I'm gonna be keeping my eye on you every inch of the way, all right? Of course. And if that bastard fucking cheats on her one more time, I don't know what I'm gonna do. You know, Trevor, we both know you're not the marrying kind. But hey, it's great to be back in business, huh? Let's bring it on. The big one! The big one! Ok, bon, finalement, c'est Trevor qui prend cette bagnole. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Tac, ouais. Donc je vous dis, ben, merci d'avoir regardé, et à la prochaine pour la suite. Salut!